Donc, on a maintenant déterminé qu'on voulait un vélo de type urbain. On a choisi sa sous-catégorie. Voici le style de position que je recherche dans mon vélo urbain. Maintenant, le système d'engrenage. Il y a certaines catégories de vélos qu'on peut vraiment décider de « Ah, je vais l'avoir dans une version en Shimano, je vais l'avoir dans une version SRAM, au micro-shift, j'ai l'embarras du choix. » Il y a la plupart des situations, quand un fabricant va faire un vélo de type urbain, bon, bien, votre catégorie, là, il va la faire soit en Shimano, soit en SRAM, soit en micro-shift. C'est comme présélectionné. Ils ne vont pas avoir des offres très, très variées là-dedans. Donc, une fois qu'on va avoir choisi notre type de vélo, là, on observe le système d'engrenage qui est déjà monté. Souvent, dans un style, dans une sous-catégorie de vélo de type urbain, bien là, il va y avoir différents choix pour différents prix. Fait que souvent, on va avoir un premier prix, deuxième prix, troisième prix. Puis là, évidemment, on va avoir la qualité du système d'engrenage qui va varier. Dans la grande majorité des cas, encore aujourd'hui, sur les vélos de type urbain, ça va être un peu plus traditionnel. Où est-ce qu'on va retrouver du 2 ou 3 plateaux en avant sur le pédalier avec du 7, 8, 9, 10 vitesses à l'arrière. Puis là, on a un dérailleur avant, on a un dérailleur arrière. On joue avec nos combinaisons de vitesses. Ainsi va la vie. Ensuite de ça, souvent, plus on va monter de gamme, plus on va avoir une réduction du nombre de plateaux à l'avant. Donc, sur les vélos un peu plus haut de gamme, souvent quand on va dépasser la barrière des 1000, 1100, 1200, là, on va tomber presque exclusivement dans le deux plateaux avec une augmentation générale de la qualité des pièces. Souvent, on va retrouver des systèmes d'engrenage de type route sur ces vélos-là parce qu'ils sont un peu plus performants. Quand on vient dans les catégories de vélos plus confort, là, on va avoir une acceptation généralisée pour les monoplateaux à l'avant. Ça fait juste plus de sens aussi. On va avoir un vélo qui est simple, un vélo de balade, un vélo de promenade, confort. Pourquoi venir compliquer les choses avec un paquet de vitesses, un paquet de dérailleurs qui viennent justement un peu décupler la quantité de choix disponibles de vitesses pour ce qu'on va utiliser. Donc souvent, même les consommateurs vont dire « Écoutez, moi j'utilise tout le temps les deux, trois mêmes vitesses là-dessus, je comprends pas pourquoi il y a autant de vitesses. » Bon, ben là, justement, les fabricants, ils ont coûté ça puis ils ont réduit le nombre de vitesses. Donc souvent, quand on va avoir notre vélo de type très confort, urbain, balade, un plateau en avant, à l'arrière, on va avoir du 7, 8, 9 vitesses. Dans les plus hautes gammes, du 10 vitesses, ça vient simplifier énormément le choix de la sélection des vitesses qu'on n'utilise pas de toute façon à l'avant parce que c'est tout décuplé. Là. On multiplie, là. Il y a des doublons de vitesses dans notre sélection. Là. Donc, les gens apprécient aussi, ça fait déjà 2-3 ans qu'on vend des styles de vélos comme ceux-là, puis les gens nous disent « Hey, j'aime bien mieux ça quand il n'y a pas de dérailleur en avant, ça simplifie, la chaîne tombe plus, tu viens pas tout te beurrer les mains. » Ça, c'est un autre effet du monoplateau, la chaîne reste en place, elle est comme coincée sur le monoplateau. Ensuite de ça, sur les vélos plus modérés, là, c'est le traditionnel, comme je disais tantôt, 2.9, 2.10, 2.8, ainsi de suite. Puis sur les plus performants, les systèmes d'engrenage de type plus route. Donc, on choisit pas nécessairement un vélo hybride de par son système d'engrenage, mais plus la catégorie, la sous-catégorie, puis ensuite de ça, la qualité, dépendamment du prix qu'on est prêt à mettre pour notre vélo de type urbain.